Salut les gamers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, pour pas, ça va. On se retrouve aujourd'hui sur Asamu, toujours zéro trésor dans cette grotte de la glace. Allez. Alors, la fois, on a galéré sur ce passage-là. Enfin, on. Devrais-je dire j'ai? L'atterrissage va être compliqué. Oh putain! I landed hard and felt the impact vibrate through my body. The suit had protected me, but it was in bad shape. The rocket boots were worst off. The crash had ruined the functionality completely. I knew that if I stayed here to fix them, I would probably freeze to death. I had no other choice than to press on. Il me l'a compté. Putain, le checkpoint qui a bugué, il me l'a compté. Oh, merci. Oh putain, c'est beau. Il est en mauvais état à cause du froid, c'est pour ça en fait. Faut pas se le cacher, hein. Alors, on n'est pas censé mourir ici parce qu'on a une petite fille, donc enfin, on a une fille. On n'est pas censé mourir ici. Alors. Ah putain, d'accord, il est là le suivant. Ok, merci. Le truc pas du tout dur du tout, non. Tout va bien. Tout va bien. Waouh. Ah, il y a un truc là-dessus. Non, les chaussures sont mortes. Oh lol. Ah oh, putain, je peux plus utiliser la propulsion.
What? C'est quoi ce délire? D'accord, je peux plus redescendre en bas. Oui, t'as le cristal là, quoi. D'accord, il est là-bas. Oh putain. Non mais... J'adore parce qu'il est hyper sûr puisqu'on me fait ça. Il est sérieux, tu es sérieux. Mais t'as rien devant toi. Comment tu peux te buter? C'est pourtant simple. Voilà. Enfin, je sais pas. Je me demande s'il n'y avait pas un truc là-bas. De toute façon, en plus, ça se trouve, je suis en train de passer à côté de tout, mais. Mais c'est pas grave. Surtout, il y a un truc là-bas en dessous, mais bon, écoute. Affreux. Je regarde en même temps où est-ce qu'il pourrait y avoir des trucs. J'essaie de ne rien oublier entre guillemets, mais bon. Mais restons zen. On peut le faire. On vient de le faire, on en est capable. Bon, tu vas pas commencer à me casser une noisette, toi? Voilà, merci. Thank you.
Oh putain. Zen. Alors, où est-ce que je suis tombé encore? Putain, mais c'est une blague. Il veut pas me la prendre à la dernière, hein, ça aussi, non. Il veut pas me la prendre, c'est hallucinant. Hein. Non mais. Oh. Fini, oui. Tu me repousses pas, merci. Je suis pas laid, d'accord? Je suis très beau même. Non, on me repousse pas, moi. On les repousse pas, les gens qui sont beaux. Le mec, il dit n'importe quoi. 13 minutes. Alors. Ça c'était complètement loupé. Merci bien. Perte de temps. Allez, allez. Putain. Hop, merci. Oh, là, t'avances droit, merci. Oh, c'est quoi qui bloque là? Oh. Il y a un truc qui le bloque. On peut avancer droit comme ça là. D'accord. Il y a un défaut de. Merci bien. Oh putain, allez. On va passer 15 ans à faire du saut de champignon, quoi. Bah oui. C'est hallucinant, hein. 15 ans à faire juste des sauts de champignons. C'est ouf. Là, c'est ouf. Espèce de bug de texture. Non, mais il fait n'importe quoi. Donc, on y est. Mais. Il bug? Il veut pas. Hein. Il y a un bug de texture. Il ne veut pas.
Oui, bien sûr. Tu as cru. T'as cru que c'était la fête, toi. Putain. Ça me fait halluciner. Ah putain, mais... Je me transforme en joueur du grenier, moi, à force. 17 minutes, ouais, forcément. 17 minutes qu'on est là-dessus, quoi, pratiquement. Non, mais c'est ouf, hein. C'est ouf, cette histoire. Oh putain, moi, oh là là, d'accord, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai bugué, tout va bien. Allez, on recommence pour la énième fois, putain. T'es gentil, tu tombes pas comme une merde. Tu fais que ça depuis tout à l'heure. Merci bien, mais non merci. Tac, tac, hop. Tac, voilà. On monte ici, on atterrit là. On monte ici, on atterrit là. On monte ici, on atterrit là-bas. On atterrit là-bas. Bien, et maintenant. Ben voilà. Enfin. Ah putain. Ouf. 19 minutes. Oh. Reste zen. Mon Dieu, tout ça pour ça. Leave stuff behind everywhere. How much was he carrying? As I remember it, Fred wasn't that good at keeping track of all his things, like you. Hey, it's not like you're any better. Sorry. Anyway, Fred counted on losing a few things on each of his journeys. He always brought more stuff than he needed. For a paddling trip we had, he brought so many life jackets. We could barely fit ourselves in the canoes. Isn't it hard to lose track of a life jacket if you're wearing it?
Good point. I guess he didn't really think of that. Donc du matériel en trop. Ok. De Fred. Ensuite, il semblerait que je puisse monter là-bas dessus. Ok, on est littéralement dans les hauteurs de la grotte, plus ça va, plus on monte. Alors, comment faire? Bah comme ça, tout simplement, en fait. Ah putain. Non plus. Non plus. Non plus. Je veux pas, hein. Comme ça. Ah, la première que j'ai trouvée, punaise. Je peux pas dire que c'est glorieux. I found another one of Fred's campsite, noticeably newer than the others. The fire was still smoldering, and I could faintly pick up the smell of the aftershave he always used. I was closing in on him. I could feel it. He had left some tools behind that I could use to repair my boots. That should do it. Good as new. Bien, et donc c'est nous devant ce nouveau feu de camp de Fred que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dirai la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et longue vie aux gamers. Ciao, ciao!